Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Nalimane, rebonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Hadjal, madame, monsieur, bonjour. L'Algérie, fière de ses gloires et fidèle à ses martyrs, elle poursuit grâce à ses enfants de réaliser des acquis. C'est ce qu'a affirmé le président de la République dans un message adressé à la nation à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moudjahid commémoratif du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Souma. Le 20 août, date charnière de la Révolution, marquée en lettres d'or dans le registre de l'histoire de l'Algérie. En 1955, l'offensive du Nord constantinois, événement marquant, a permis d'internationaliser la cause algérienne. Même jour, un an plus tard, 1956, le congrès de la Souma met un nouveau tournant dans l'histoire, un nouveau souffle pour la Révolution de novembre. Un dossier est consacré à ces événements dans cette édition. Les nouvelles technologies sont au service de l'histoire. Des plateformes numériques modernes et interactives voient le jour pour faire connaître l'histoire de l'Algérie aux jeunes générations. L'Algérie regrette profondément la priorité donnée à l'usage de la violence au Niger. Le ministère des Affaires étrangères rappelle dans un communiqué que la voie diplomatique est encore possible et que toutes les interventions militaires qu'a connues le continent n'ont fait qu'aggraver les crises. L'art et la culture, deux armes portées contre le colonialisme, ils ont participé activement à faire connaître la cause algérienne. C'est le cas du théâtre. Nous verrons comment le théâtre algérien a participé à la révolution avec Sid Ali Farès. En sport football, le tour préliminaire de la Coupe de la CAF, défaite de l'ASO Schlepp face au Bendal Insurance du Nigeria en athlétisme. Yasser Triki s'est qualifié pour la finale du championnat du monde au triple saut. Bonjour à toutes et à tous. L'Algérie poursuit, grâce à ses enfants, la réalisation des acquis dans différents domaines. C'est le président de la République qui l'a affirmé dans un message adressé à la nation lors de la journée ou un message à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid commémorative du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam. Convaincu et animé par la foi en le serment des Shuhada, conscient des capacités de l'Algérie, le pays avance à pas sûrs vers davantage de progrès, précise le chef de l'État. Synthèse du message signé Hanan Saïsi. Dans son message, le président de la République relève « L'Algérie se construit aujourd'hui grâce à la loyauté envers ce sang généreux. Pour une Algérie sereine, respectée, forte de ses institutions constitutionnelles, de l'unité de son peuple et de la conscience et l'ambition de sa jeunesse. Tout en mettant en avant la foi en la victoire qui a animé le shahid symbole, Ziroud Youssef et ses compagnons d'armes dans l'offensive du Nord constantinois le 20 août 1955 et celle qui avait amené les dirigeants de la Révolution à tenir le congrès de la Souma. Le président rappelle « C'est sur cette voie que se construit l'Algérie nouvelle, une Algérie confiante quant aux capacités de la nation, où les efforts et le travail dévoués se conjuguent pour la réalisation d'indicateurs positifs en matière de développement durable, où les acquis sociaux et la dignité du citoyen sont préservés. » En ce sens, le chef de l'État rappelle les avancées en matière d'élargissement des partenariats stratégiques marqués par une dynamique économique qui capte les investissements aujourd'hui, des avancées qui confortent la présence de l'Algérie et son influence au double plan régional et international. Le double anniversaire, une occasion pour Abdelmajid Tebboune qui réitère la fidélité au serment des Shuhada et la volonté de faire entendre la voix de l'Algérie et s'acquitter pleinement de son rôle axial dans la région et dans le monde. Grâce notamment à l'attachement du peuple algérien à sa fierté, à la souveraineté et au développement, mais aussi au legs des valeureux Shuhada, conclut le président. Le 20 août, une date charnière, un tournant décisif de l'histoire de l'Algérie en 1955, l'offensive du Nord constantinois, une formidable organisation qui a changé le cours de la révolution et qui a permis d'internationaliser la cause algérienne avant que le congrès de la Soumam ne vienne en 1956 pour donner un nouveau souffle à la révolution. Hayat Kerbois. L'offensive du 20 août 1955, menée par le commandant de la Wilaya 2 historique Ziroud Youssef, peut être qualifiée de grande et d'importante au vu de son organisation, du nombre des Junoud ayant pris part et de l'impact de celle-ci sur les événements à venir. En effet, à peine 10 mois après le déclenchement de la révolution, le 1er novembre 1954, une action d'une ampleur sans précédent est réfléchie et exécutée de main de maître. Hosni Kitouni, chercheur en histoire. Il fallait que les gens se sentent et comprennent
que les moudjahidines, c'était eux, et que chacun pouvait être un moudjahid, qu'il s'agissait d'une révolution populaire où tout un chacun pouvait jouer son rôle. Le 20 août, des milliers d'hommes et de femmes, avec des armes rudimentaires, se lancent à l'assaut des villes de Skikda, Inabid et d'autres encore. Au total, 133 civils européens au moins, 45 membres des forces de l'ordre et 35 civils sont tués. Des femmes, des fermes coloniales incendiées, des postes militaires attaqués. La répression va faire le reste, une répression terrible, démesurée. Des milliers d'Algériens sont victimes des atrocités coloniales. On assiste alors à une vraie guerre. Le sang va constituer la ligne de séparation entre Français et Algériens. Un nouveau 1er novembre vient relancer la machine de la révolution algérienne. Un an plus tard, le congrès de la Soumam va se tenir pour donner à la révolution ses organes politiques et une plateforme qui va le conduire vers le 5 juillet 1962. Les historiens n'ont pas encore fini d'éclairer ce pan de notre histoire et cette offensive qui a permis d'internationaliser la cause algérienne par son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies la même année. Constantine Hayatskerboua, Al-Jishan 3. Une révolution et des événements historiques portés par une jeunesse déterminée, des moudjahidines qui étaient autrefois condamnés à mort, témoignent et racontent leur vécu durant cette période à Sofia Boukarcha. L'Algérie ne se vend pas, ne s'achète pas, elle s'arrache. Symbole de dévouement, de patriotisme, la jeunesse algérienne s'est sacrifiée pour l'indépendance de l'Algérie. Emprisonnée à des peines maximales, d'autres condamnées à mort par le colonisateur français, les moudjahidines étaient prêts à tout pour une Algérie libre et indépendante. Salah Mazi, Moudjahid. La première exécution, c'était Zabana et Farraj. Les jeunes, nous avions une devise. Nous savons très bien pourquoi on était là-bas. Au procès, juge d'instruction. Comment vous allez combattre une armée régulière en procédant à des embuscades? Nous tuons vos troupes, nous prenons leurs armes pour que l'Algérie libre et indépendante vivra. Et nous avons la même devise. Vaincre ou mourir pour que l'Algérie libre et indépendante vivra. Des cellules de prison sans les moindres conditions de vie, mais la résistance et l'amour de la patrie étaient des principes inébranlables. Mohamed Bilal, ancien condamné à mort. Animé par un esprit de sacrifice pour la patrie, à aucun moment la peur de l'exécution n'a ébranlé la foi des condamnés à mort en une Algérie indépendante. C'est avec la tête haute qu'ils se présentaient devant la guillotine et devant le peloton d'exécution. Symbole de courage, d'unité nationale, mais surtout d'espoir, leurs sacrifices resteront gravés dans la mémoire collective nationale. En cette date historique, l'Algérie n'oublie pas les militants et personnalités étrangères qui l'ont soutenue, qui ont combattu auprès des Algériens pour faire face au joug du colonialisme. Lies Terrini. Ils ont risqué leur vie et celle de leurs proches pour une cause juste, la cause algérienne. Ni harcèlement ni torture les ont empêchés de poursuivre leur objectif, celui d'aider le peuple algérien à se libérer d'un colonialisme barbare qui n'a que trop duré. Parmi ses amis de la révolution algérienne, Mustapha Muller, de porteur de valise à commandant à l'ALN, c'est le noble combat algérien qui l'attire. Sa fille en témoigne. Son nom c'est Winfried Muller. Il est né en Allemagne et il a vécu en Autriche. Quand il est parti en France, il a fait des études de journalisme et c'est là qu'il s'est intéressé au Front de Libération Nationale. Il a reçu un colis piégé et c'était un livre et des explosifs. Pour l'exterminer, hein, qu'est-ce qui l'a attiré? C'est l'amour de ce pays. Et il était contre qu'on massacre des gens comme ça. Et c'est lui qui a conçu le réseau de rapatriement des légionnaires à Tétouan. Ces légionnaires qui étaient contre le massacre. Curieuse de ce qui se passe réellement en Algérie pendant la guerre de libération, Margaret Cockbaker, de nationalité hollandaise, est elle aussi une des amies de la révolution algérienne et elle en garde des souvenirs. En 1959, on était un groupe de jeunes qui voulaient voir ce qui se passait en Algérie. Alors on était là, on a vu que
que c'était vraiment très mal. Après, en France, j'ai fait quelque chose de spécial avec 12 Algériens qui avaient des fusils. On était dans une maison près de la Loire. On était tout préparé pour libérer Mbella. Il y avait la grève de faim pour tous les prisonniers. Ils sont partis dans un hôpital parce qu'ils étaient mal. On n'a pas pu faire ce projet. Mais c'était quelque chose de très fort. Hein. Le pays demeure fidèle à la mémoire de celles et ceux dans les quatre coins du globe qui ont fait des sacrifices et contribué au recouvrement de la souveraineté nationale. Le devoir de la mémoire est aujourd'hui préservé. La nouvelle génération œuvre à transmettre les valeurs et principes de nos valeureux moudjahidines. Aujourd'hui, des plateformes pédagogiques voient le jour à l'aide des nouvelles technologies pour faire connaître l'histoire de l'Algérie. Sami Alloun. Une nouvelle vision sur l'apprentissage de l'histoire, le recours aux nouvelles technologies, à une pédagogie plus moderne, transmettre le message de nos valeureux chouhada, des événements et étapes historiques qui ont marqué l'Algérie, avec une approche qui exploite les derniers vecteurs de la communication numérique. Brahim Dehili, cofondateur de la start-up BNF Company, spécialisée dans les technologies de l'éducation. Le support traditionnel pour l'étude de l'histoire, généralement, c'est le livre. Déjà, le livre, il offre une expérience extrêmement extraordinaire qui permet déjà d'accéder à des images, à des portraits de Moudjahidine, portraits dans qui ont façonné la révolution algérienne. Mais aussi, avec le digital, ça permet d'offrir de nouveaux supports d'enseignement tels que le son, l'image, la vidéo, l'expérience immersive qui permet directement de rentrer, par exemple, de voir une simulation d'une bataille, de voir des documentaires, des témoignages vivants. Des plateformes voient le jour, développées à 100% par des compétences algériennes. GloriousAlgeria.dz ou l'application Feshedou qui réunit des archives et un jeu ludique pour enfants ayant pour but de leur faire connaître les héros, les martyrs de la révolution algérienne. Des innovations algériennes transforment le manuel scolaire en un manuel plus interactif, en 3D. Nasreddin Laïb, manager de la start-up Isra Media, spécialisée dans les techniques 3D. Avec notre application qui fonctionne en offline, c'est interactif, donc tous les schémas, il va les voir en 3D, et il va pouvoir manipuler en direct juste l'application, et c'est une valeur ajoutée pour le manuel scolaire. L'enseignant peut l'utiliser en classe, puisque ça marche en offline, n'a pas besoin d'internet. De nouvelles approches qui permettent à la nouvelle génération, à nos plus jeunes, de connaître de manière ludique les histoires et accéder aux portraits de nos valeureux moudjahidines. Tout autre sujet, les bacheliers sont appelés depuis hier à s'enregistrer sur le portail électronique du ministère de l'Enseignement supérieur pour bénéficier des œuvres universitaires, à savoir la bourse, l'hébergement et le transport. Ils auront jusqu'au 23 de ce mois pour le faire. Et toujours dans le monde universitaire, quelques 8000 postes sont ouverts pour le recrutement d'enseignants. Et c'est la plus grande opération de recrutement lancée par les universités algériennes entre maîtres assistants et enseignants-chercheurs. L'Algérie regrette profondément le recours à la violence ou qui ait pris le pas sur la voie diplomatique au Niger. Le ministère des Affaires étrangères rappelle dans un communiqué que la voie diplomatique est encore possible. Yester Reni. L'Algérie regrette profondément que le recours à la violence ait pris le pas sur la voie d'une solution politique négociée. Face à une éventuelle option militaire au Niger dont la CDAO se dit prête, l'Algérie croit en une solution diplomatique, pouvant rétablir pacifiquement l'ordre constitutionnel et démocratique dans ce pays frère et voisin. La diplomatie algérienne souligne que toutes les voies qui peuvent conduire à une solution pacifique n'ont pas encore été empruntées, des possibilités qui ne sont toujours pas épuisées, en rappelant que l'histoire nous enseigne que dans la région, les interventions militaires ont été des facteurs supplémentaires d'affrontements et de déchirements plutôt que des sources de stabilité et de sécurité. Engendrant des conséquences incalculables, l'intervention militaire est qualifiée d'acte irréparable. Une mise en garde avant que la région ne soit prise dans l'engrenage de la violence dont nul ne peut prédire l'avenir. L'Algérie appelle toutes les parties à la retenue, à la sagesse et à la raison, affirmant que la priorité doit être donnée à une option politique négocier. Et le général nigérien Abdourahmane Tchiani a assuré hier soir que la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans. Le général a également mis en garde les pays étrangers contre une intervention militaire contre 100 pays. Une délégation de la CDAO est arrivée hier à Niamey, menée par l'ancien président du Nigeria, Abdou Salami Aboubakar. La délégation de l'organisation ouest-africaine a pu rencontrer le président Bazoum. Et en Palestine, la
Palestine a condamné et rejeté hier le projet sioniste de légaliser 155 avant-postes de colonies en Cisjordanie. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Bill Abu Rudaina, qui a rappelé la nécessité de supprimer toutes les colonies conformément aux résolutions de l'ONU, toutes les colonies qui sont illégales et en violation du droit international. Il ajoute que les États-Unis portent la responsabilité de mettre fin à de telles décisions dangereuses. Retour chez nous et pour parler de culture avec cet hommage rendu hier à la troupe artistique du FLN et à l'ancien comédien et directeur du théâtre régional algérien Taha El Amiri, de son vrai nom Abderrahman Bastandi. Sid Ali Fares a assisté à cet hommage. Plus d'une trentaine d'artistes, entre musiciens et comédiens, qui faisaient partie de la troupe artistique du FLN. Une troupe érigée en ambassadrice de l'Algérie combattante pour faire découvrir l'art algérien sur la scène du monde entier. Taha El Amiri, de son vrai nom, Abderrahman Bastandi, doyen des comédiens algériens, revient sur ses débuts. D'abord, j'ai aimé le théâtre. J'avais la passion du théâtre. J'ai assisté à beaucoup de représentations. Même autant où j'étais jeune, quand je suis arrivé à un âge où j'ai eu la possibilité de prendre contact avec Mahidine, et dire que Mahidine, c'était un ami de mon père. Il m'a encouragé en m'engageant. Pourquoi vous avez changé votre nom à Taha El Amiri? Lorsque je dis à mon père, je viens de démissionner de mon poste de la mairie et de signer un contrat avec Mahidine, tu es devenu fou. C'était impensable qu'un fils de famille, zahmatique, traditionnel, etc., puisse aller dans ce milieu. Il fallait changer. Non, naturellement, je ne peux pas dire Bastandi, puisque lui était dans une colère indescriptible. Comment vous êtes rentré dans la troupe artistique du FLN? J'étais PPA à l'âge de 17 ans et demi, puis en 1947, j'étais dans l'OS, et puis j'ai été détaché pour le théâtre en 1949 dans la troupe du MTLD. Je suis revenu une année après. C'est même Mahidine qui revient au théâtre, et naturellement, il nous a tous repris. C'était quoi votre fonction dans la troupe? J'étais chef de cellule FLN, de la troupe du FLN. Vous avez joué comme comédien dans cette troupe? Oui, j'ai joué dans les enfants de la Casbah. J'avais le personnage principal dans le Khalidoun. J'avais le principal personnage dans le Ahrar. Que représente pour vous le théâtre? C'est ma vie. Je m'imagine qu'à l'intérieur de chacun des comédiens, il y a un fantôme qui vit avec nous et qui de temps en temps réagit à l'extérieur, en intérieur, en interprétant des rôles. La lutte algérienne ne s'est pas faite qu'avec le fusil, mais aussi le combat avec l'art et la culture, avec la troupe artistique du FLN. Sport, avant de clore les pages de cette édition, football, défaite de la SO Schleff en déplacement 1-0 hier face à la formation du Bendel Insurance du Nigeria pour le compte du match aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Le match retour est prévu pour le 26 de ce mois. Il se jouera au stade de Rouiba. En athlétisme, Yasser Triki s'est qualifié hier pour la finale du championnat du monde à Budapest dans la spécialité où au triple saut et en championnat d'Afrique de karatédo qui se déroule au Maroc. Plusieurs athlètes algériens concernés par les finales aujourd'hui. Il s'agit de Louisa Abourich, Sabr Ben Makhlouf et Hossine Deiri. Chez les dames, par équipe, l'Algérie disputera également sa finale aujourd'hui dans la spécialité Kumite. Dernière information, c'est la finale de la Coupe du Monde féminine de football. Une affiche exclusive. Elle opposera aujourd'hui l'Angleterre à l'Espagne. Ça sera à 11h GMT. C'était là la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal réalisé par Selma Feguir. Tout de suite, pour être au complet, c'est le bulletin météo avec Hadjal Mesaoudi. Plusieurs régions du pays sont placées en vigilance jaune avec des températures élevées. Il s'agit de Sidi Bel Abbès, Soukhara, Saïn Gzem, Lorwat, Borj Bahriri, Djolizen, Msila, Borj Badji, Mokhtar, Mila, Tamanrasset, Tebessa, Gelma, Insalah, Shlef, Betna, Sétif, Janet, Djelfa, Ilizit, Lamsen, Constantine, Albayed, Khenchla, Ain, Defla, Adrar, Naama et Mascara. Des températures élevées sont attendues pour cette journée. 39 degrés à Tizi Ouzou, 40 à Bura, 29 à Béjaïa, 37 degrés à Médéa,
35 à Sétif, 39 à Tamanrasset, 41 à Tindouf, 31 à Blida et Alger.